Situé à 136 km de la préfecture de Béila, Karala est l'une des sous-préfectures les plus enclavées de la localité. Avec des difficultés liées à l'écoulement de leurs productions agricoles vers le centre commercial de Senko, les populations prennent leur destin en main. Elles viennent d'entamer les travaux d'une nouvelle route reliant Karala à la sous-préfecture de Samana, le deuxième plus grand marché du nord de Béila. Je dis à tout le président de district, à tous les chefs de quartier, à toute la jeunesse, avant que le gouvernement vienne en aide, la population doit faire quelque chose. Je lance un appel à le gouvernement de nous aider pour cette route-là, pour nous faire le pont. Dans l'exécution des travaux, elles sont confrontées à des obstacles difficiles à surmonter à main nue. L'aide du gouvernement et des personnes de bonne volonté est sollicitée. On n'a pas de route maintenant. Ce que nous on peut faire, on est en train de faire comme là, travailler avec la communauté depuis que le nouveau sous-préfet est rentré. Dans le changement là, vraiment, on n'a pas assis maintenant pour bras croisés. On est en train de faire ce que nous on peut faire, mais ce que nous on ne peut pas faire, c'est là maintenant, on est derrière maintenant notre grand imam, le grand Alaï Falikou, ambassadeur de la paix, pour qu'il va nous faciliter ce que lui aussi peut faire pour nous aider comme les natifs d'ici. Troya yere, ole mokaya. Ni samaji kado komi falela, kaladara. Donc mon moulou ya, karala et frontelle là. Nous, on a fait un peu de temps pour nous. On a fait un peu de temps pour nous. Donc, si on a fait un peu de temps pour nous, on a appelé un peu de temps pour nous. On a fait un peu de temps pour nous. Et on a fait un peu de temps pour nous. On a fait un peu de temps pour nous. Longue de 30 km, cette route traverse plusieurs districts, dont Kangoro et Woro, regorgeant de grands producteurs agricoles. Sa réalisation permettrait ainsi de désenclaver toutes ces localités qui ne vivent que des produits agricoles. L'espoir est permis avec l'avènement du Comité national du Rassemblement pour le développement.